parole de Dieu qui est mon frère. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu, mais quel Dieu? C'est voilà, ça le problème. La parole de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Moi, je veux même un débat public. Il y a longtemps, je gère ça. Mais tu es où ça? Tu dis que tu es angré. Actuellement, je suis à la 8e tranche. Je suis à Sodotem, 1982. Non, dans la pharmacie, comment on appelle là? La pharmacie Saint-Marc. Vous voulez même le. Comment on appelle là? La station Pétro-Ivoire, nouvelle station là. Mais je souhaiterais qu'on ait un débat public. Ah bon, hein? Un débat public. D'accord. Un débat public, hein? On va payer les frais. Si c'est l'hôtel communal, on va venir débattre publiquement sur le salut. Je souhaiterais. Je vous laisse le numéro, je suis au 07. Non, attends d'abord, attends, tu vas trop vite là. Non, attendez. Mais son petit là, il faut lui donner le cours de maîtrise de soi. Ah, d'accord. Parce qu'il a tendance à insulter les gens, il traite les gens de courage. Ah non. Une mauvaise image, quoi. Ça, c'est pas bon. Il y a des terroristes là. Non, allons doucement. Tu dis, allons doucement. Quelqu'un est tout sur le plan, hein. Allô? Il est un peu. Allô? Non. Allô? Rebonsoir, Sinali Diabaté, c'est ça, non? Oui, Sinali Diabaté, oui. Tu es chrétien? Oui, merci, c'est chrétien. Tu es chrétien, non? Ok. Je suis chrétien. Il n'y a pas de problème. Mon frère Sinali, moi, je veux juste savoir. Oui, bien-aimé, oui. Voilà, je dois venir quel jour à Angré Château, là-bas? Devenir quand? D'accord. Oui, non, allô? Devenir quel jour? Bon, moi, je veux un débat public. C'est pas un débat de ghetto, non. Moi, je veux un débat public. D'accord, mais si c'est un débat public là, et le jeudi prochain, tu peux venir à Yopougon Figayo? Normalement, la semaine prochaine, je ne sais pas si tu es au courant, il y a ce qu'on appelle l'application au forum. Il y a les chefs d'État qui viennent, le président Ouattara les reçoit, ils seront à l'Ivoire, à l'autre Ivoire, à partir du... Il y a dit Figayo. Ah, faut laisser... Non, mais je ne prends pas le temps de m'écouter. Moi, je ne fais pas les débats de terrain, de plein air, de fracana. Moi, je vais, on va louer... Harry, non, écoute-moi. Salam. On peut aller à l'hôtel communal. Qui va louer l'hôtel là? Vous criez, vous perdez la voix, après vous allez cancer les gosses. Attends, doucement. Allô? On prend un journaliste calmé. Non, mais tu ne peux pas demander. Allô, doucement. Un peu de bruit, s'il te plaît. Pardon, doucement. Il y a du bruit parce que ton petit n'a pas tout mis. Non, il y avait que toi, tu m'écoutes un peu au moins. Finalement, j'ai raté. Je t'écoute maintenant. Voilà, merci beaucoup de m'écouter. Voilà. Oui, tu sais, quand tu parles de l'hôtel, voilà, quand tu veux qu'on loue. Pas venir à Figayo. D'accord, je suis d'accord. On va faire débat sur le salut, il n'y a pas de problème. Et voilà, que tu as dit que. Communal, par exemple, attends, il est bien. Maintenant, l'hôtel communal, là, c'est toi qui as loué, non? Oui, moi, je vais payer. D'accord? Donc. Je vais payer. Mon ami. Attends. Je vais payer. Moi, je vais payer. Donc, le débat est pour quand? Je paye l'hôtel communal. Je paye l'hôtel communal. Je paye le débat. Bien aimé. Oui. Je fais payer l'hôtel communal. Je te fais confiance. Un vrai professionnel. Bon, regarde, voilà, ton gars, là, tu vois, c'est pourquoi votre religion nous chasse. Déjà, il est en train de me dire, je ne peux pas payer. Non, il ne faut pas dire ça. Non, écoutez, déjà, apprenez-lui à être poli. Parce que déjà, il ne peut pas payer, Même non. Vous et moi, on fait s'associer pour payer. L'hôtel communal. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. L'hôtel communal, lui, me dit, moi, je ne peux pas payer. Maintenant, allô, doucement. Oui. Tu m'avais dit tantôt que tu es une partie de la divinité. Ça veut dire quoi? Je suis chrétien. Le mot chrétien vient du grec Christos. Je suis d'accord. Christos, ça veut dire Dieu. Christos ne veut pas dire Dieu. Bon, mon frère, je ne veux pas commencer le débat maintenant. Vous avez des émotions. On se retrouve à l'hôtel communal. Avant de se retrouver là-bas, on n'est qu'à organiser d'abord. Voilà, mais vous ne pouvez pas. Moi, j'ai dit, je suis Diabaraté, ça ne vous gêne pas. Mais j'ai dit, je suis Dieu, ça vous gêne. Non, est-ce que moi, j'ai dit que ça me gêne que tu es Dieu. Même Satan est Dieu dans la Bible, ça ne me gêne pas. Voilà, mais Satan est Dieu, donc pas le problème. Moi, je n'ai pas dit que tu n'es pas Dieu. Voilà. Moi, c'est... Voilà. Même les hommes sont Dieu. Les hommes sont Dieu dans la Bible. Voilà, Dieu même a été frappé dans la Bible. Ça m'étonne pas que tu sois Dieu. Ce n'est pas un problème. Voilà. Aïe, et c'est ça là, c'est étonnant pour quelqu'un. Il dit, oui. C'est quel jour? Le débat, c'est quand? Le débat, c'est quand? Moi, j'ai toujours enseigné ça. Moi, j'ai toujours enseigné que ton père est Dieu. Et c'est lui là. Ouais, maintenant, le consommateur des travailleurs là est heureux maintenant. Bon, ok. Donc, on programme le débat pour quand? Même si tu dis demain, moi, je suis prêt.
Non, on va, ce qu'on va faire, je vous ai donné mon numéro. Ici au 07 07. Non, 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 laisse le numéro là, parce que oui. Le frère va m'envoyer ça par SMS. D'accord, il va t'envoyer ça, il n'y a pas de souci. D'accord. On organise, on planifie un débat. On planifie un débat civilisé, de préférence à l'hôtel communal. Comme tu insistes. Voilà, on fait là-bas, on va s'organiser sur les aspects pratiques. Oui. Voilà, y a, moi je travaille beaucoup d'organisations chrétiennes. Les gens peuvent payer ça. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas l'argent pour payer ça. Voilà, je vais aussi annoncer, sur Facebook, dans notre direct. Les gens viendront. Voilà. Donc, des interprètes professionnels de Côte d'Ivoire. Bon, faut partir, faut passer l'annonce en même temps. Les gens t'écoutent, allons-y. Voilà, donc je suis Sinali Gabarate. Oui. Je suis évangéliste. Oui. Apologiste chrétien. Oui. Voilà, j'ai fait 12 ans comme fonctionnaire américain. Oui. Pour le département d'État américain. Tu parles anglais alors? Je parle mieux l'anglais que le Bambara et le... Ah, c'est que ça a chopé ce jour-là, parce que moi aussi je parle anglais. Non, il n'y a pas de souci, papa. Moi, je sais ça. Pour la première fois, j'ai maudit le petit serpent qui a été là. Non, faut pas parler ça. Voilà, non, bon. Tu peux passer ça, il n'y a pas de problème. D'accord, donc... Lui-même, il est fier de ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je suis actuellement auditeur. Je suis actuellement auditeur, inspecteur de l'association des... Non, 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 c'est bon. Voilà, non, tu n'as pas tout ça là, dis ça sur Facebook, les gens t'écoutent en direct là, donc... Oui, mais c'est ce que je dis, je suis en train de dire, il faut qu'on sache à ce qu'on a affaire. Ok, comme voilà, tu insistes. J'ai été occupé de la CIA pendant 12 ans aussi, ça aussi tu peux le mettre sur Internet. CIA, hein? Et ouais, CIA pendant 12 ans, officier. J'étais chef interprète dans les États-Unis à Abidjan pendant 12 ans, à plein temps. Ok, donc le débat... Traduit des livres chrétiens. Ouais, voilà. Cinq livres chrétiens. Et mon témoignage passe dans les foyers américains. Donc, avec tous ces tournées que tu as faites dans le monde, avec toutes ces connaissances-là, tu n'as pas compris que Jésus est un envoyé de Dieu jusqu'au jeudi. C'est grave, hein? Jésus est un envoyé de Dieu, même de Dieu lui-même. Ah! Ouais. Ah, avec tous les diplômes que tu as là, Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais Alassane Ouattara était au golf. Et... ça va aller. Il était président, il était ministre de la Défense. Mais c'était la même personne. C'est pas ça qui est pour Jésus. John Soro est ministre de la Défense. Je suis foutu. Pardon. À l'hôtel communal, on va parler de ça. Voilà, merci. D'accord. Donc, envoie-moi ton numéro par SMS. D'accord, il va t'envoyer tout à l'heure. Donc, le débat aura lieu cette année-là. Hein? Non, ça aura lieu. Ça va même pas durer. D'accord. Tu t'occupes de tous les frais. Tu t'occupes de tout, hein? Tu t'occupes de tous les frais. Oui. Et si je ne paye pas, oui. Tu pourras envoyer la facture à Campus pour Christ International. Je suis une référence mondiale. D'accord. Donc, le monde entier t'a écouté sur Facebook. Si tu ne payes pas, c'est que vraiment, il y a un problème. Moi, l'hôtel communal, je vais payer. Si Makoso peut payer, c'est que je vais payer. Ah, vraiment, c'est que toi tu es te comparé à Makoso, quoi. Lui, le général. Hein. Makoso, c'est ton frère, c'est un petit démon. Non, toi, lui, le général, hein. Pardon, faut le laisser tranquille, pardon. Bon, ok. Moi, j'attends programmer tout. Oui. Je me suis présenté suffisamment. Oui. J'attends le débat public. D'accord, donc il faut... Ça sera traduit dans toutes les langues internationales, en temps réel. Ah ouais, ça c'est un vrai débat. Voilà, je suis inspecteur de l'association des traducteurs et interprètes professionnels de la République de Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, la semaine prochaine, si tu viens à l'Ivoire, jamais voir le président. Donc, semaine prochaine, le débat aura lieu, ou bien on va s'appeler pour organiser. On va coordonner. D'accord. Voilà, on va coordonner. Ok. Voilà, on va coordonner et puis... par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Quel Seigneur? Abraham même est Seigneur, tu dis Jésus-Christ Seigneur. Oui, mais Jésus-Christ est Seigneur, mon frère. Abraham aussi est Seigneur. À l'hôtel communal. Tiens, il a mis Yere là, Djabaté. Il a mis Yere là. Djabaté là. T'as dit Djabaté, non, Djabaté, non, on va tout gâter là-bas. On va détruire. Moïse Djabaté, viens chez ton frère. Oui. D'accord. Oui, c'est Diané. Oui, oui. Diané. Oui. Diané, là, Diané veut dire quoi? Ah, tiens. Djabaraté veut dire quoi? Diané, là, dans la spiritualité, Diané veut dire le miel. Donc, on va manger le miel là-bas. Diané veut dire le miel. Ouais, le miel. Tiens, il est bon, d'accord. Ah, bon, donc, vraiment, pour que. Voilà le disciple de l'enfer qui est ici, là. Hey. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. D'accord. Donc, papa, oui. Pour tenir les gens en haleine, pour
que les gens comprennent qu'on est sérieux. Oui. Rendez-vous à l'hôtel communal. D'accord, donc je vais leur donner la date. Je vais leur donner la date très bientôt. Le thème, c'est quoi? Voilà. Maintenant, ceux qui veulent, ils tapent mon nom sur Internet, j'aimerais être signalé, ils vont voir un peu. Le thème, c'est quoi? Le thème, ça sera le salut. D'accord. De l'islam, de Mahomet et Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Hé, hey, ça va chauffer. Voilà. Les écritures vont parler, Inch'Allah. L'enfer, même actuellement, ça fait un moment de demander. D'accord. Merci beaucoup. Je te laisse, mon ami, il va t'envoyer mon numéro. Il n'a qu'à m'envoyer ton numéro. Non, faut laisser le numéro là. Parce que quand on est en direct, tu donnes ton numéro, c'est pas bon. Bon, non, mais j'ai déjà donné, même pas de souci. Ok. Voilà, 07, 07. Non, c'est bon. Avant le débat, déjà, j'ai dit à mon frère que s'il a faim, il peut manger le porc. Parce que le Coran dit que quel musulman a faim, il peut manger le porc. Le Coran n'a pas dit si tu as faim. Le Coran n'a pas dit ça. L'alcool est un mot d'origine arabe qui date du 17e siècle. Maintenant, il aussi dit que dans le meilleur paradis, c'est le paradis musulman, parce qu'il y a quatre fleuves. Il y a le fleuve d'eau, potable, le fleuve de miel, le fleuve de lait, le fleuve de vin. Plus les tondis vierges. Donc, rendez-vous à l'hôtel communal. Voilà, je vais me demander, même s'il faut payer des milliards, il y a des gens derrière moi qui peuvent payer. Je vais mobiliser toutes les ressources du ciel. Inch'Allah. Vraiment, le débat là, doit avoir lieu. Si le paradis musulman est le meilleur musulman, c'est que toi tu as devenu musulman. Non, c'est le meilleur paradis, toi-même tu sais. Il y a quoi dans le paradis des chrétiens? L'islam a l'enfer le plus terrible, mais l'islam a le meilleur paradis. Parce que c'est le paradis où il y a quatre fleuves. Ok. Un fleuve de miel, n'est-ce pas? Un fleuve de lait, un fleuve de vin. Mais le paradis. Allô, allô. On va débattre. Allô. Je pense qu'on est très bien parti. D'accord. On est très bien parti. On annonce les couleurs. Ok. C'est que. Il faut qu'on fasse ça avant le 15 juin. Didier Drogba contre Beckham. Eh, tu connais David Beckham. Voilà. Ah, là, voilà. David Beckham contre Didier Drogba. D'accord. Donc, avant le 15 juin. Avant le 15 juin, Inch'Allah. Bien aimé. Avec mon programme, parce que comme je te l'ai dit, je suis interprète professionnel. Ok. On va coordonner la date. Ok. Et puis, je pense qu'on doit se donner au moins 2 semaines. D'accord. Pour qu'on puisse mobiliser les gens, pour que les gens viennent. Oui. Et puis, moi, je dois déployer mes collègues qui vont venir interpréter en direct. Ok, avec plaisir. Voilà, ça sera interprété en espagnol, en portugais, ah ouais, et autres. En temps réel. Ça, c'est bien voilà. Ça. Maintenant, ton petit démon là, tu menteur. Non, faut le délivrer. Tu vas le délivrer. Comme voilà, tu l'as. Après, il faut le prendre de côté. 2 semaines, c'est juste. Parce que moi, je travaille toute la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de problème. C'est bon, on va s'appeler. Je travaille. Donc, ceux qui nous suivent. Moi, je l'ai appelé de tous mes voeux depuis très longtemps. Inch'Allah. Voilà, il y a longtemps, j'appelle ce débat de mes voeux. J'ai écouté les Ahmed Dida. J'ai écouté Zahir Naïk. J'ai écouté tous vos petits démons là. Celui qui est au Congo là, hey. Comment on l'appelle. Pardon. Mais pourquoi tu es? Regarde. Allô. Voilà. Tu pourrais pas rester musulman à cause des propos que tu sors de ta bouche là. Tel est démon. C'est normal que tu pourrais pas rester musulman. Oui. Tu vois, c'est pas bien. Mais tu sais que Allah n'est pas Dieu. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas le prouver. Allah a une femme qu'on appelle Allah. Allah, hey, subhanallah. Et pour d'accord. Même nom, là. Voilà, non, c'est la le temps, ça sera le salut. Mais déjà, tu sais que Allah, c'est pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Allô. 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 Pour le moment, là, on allô. Est-ce que tu es sur terre d'abord? Est-ce que tu es. Il faut redescendre sur terre. Parce que souvent là, il y a des choses là. Il y a des choses quand tu prends là, ça te fait dire des choses, hein. Ouais, avant de faire ça, c'est pas lui. Ah. Avant, Niagao. Peut-être que c'était pas sec, oh. Et puis tu as pris. Donc quand c'est comme ça là, ça devient compliqué. Non, c'est que tu as pris là, quand tu dis ça déjà, c'est péjoratif. Mais c'est que quand tu dis là, ça c'est quoi là? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. La même Bible dit, donner des lucas fortes à ceux qui périssent. Alors, pourquoi la même Bible dit de donner des lucas à ceux qui ont des problèmes? Tu vas me dire quoi? Oui, mais bon. Ça veut
Ça, ce n'est pas seulement la Bible. Ah, d'accord. Ok, je vais te montrer ça au jour du débat. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, regarde. Voilà, voilà. Mais bon, voilà. Regarde, mon frère. C'est bon. Nous sommes en direct. On est en direct, mais tu dis des propos qui ne sont pas agréables, en fait. Qui nous a mis en contact est en train de dire aux gens ici que je suis un menteur. Non, mais toi aussi, tu traites quelqu'un de Satan, on te dit menteur, puis tu te fâches. Non, j'ai traité qui de menteur. Non, tu dis tel est Satan, non, tu n'as pas dit quelqu'un est le diable. À qui? Tu n'as pas dit que lui, là, c'est un démon. Toi, tu n'as pas dit que c'est un petit démon. J'ai traité qui du diable. Tu as traité le jeune, là, de petit Satan. Alors, mais quand on te dit menteur, pourquoi tu te fâches alors? Quand tu dis les gens sont démons, quand on te dit tu mens et puis tu te fâches. Ah, c'était pas sec. Lui là, c'est pas bien sec d'abord. Salam alaikum.